majuscule, Nguyen, producteur de la série, a contacté la rédaction de Téléstar, la société de production Telset, Tel France, groupe Nguyen, dément les allégations contenues dans l'article Atman Khalif, Bilal, viré de la série Demain nous appartient paru ce mercredi 2 janvier sur le site Téléstar. FR. Ce matin même, le comédien est présent à 7 pour tourner des épisodes qui seront diffusés prochainement. La production rappelle qu'il s'agit d'un sujet privé qu'il appartient à la justice d'examiner. S'il y avait des suites judiciaires, la production de Demain nous appartient prendrait les dispositions appropriées. Star emblématique de la série Demain nous appartient depuis son lancement en juillet 2017, Atman Khalif y interprétait le rôle de Bilal Bediar, époux de Leïla. Selon les informations de Téléstar, le comédien ne reprendra pas son rôle en 2019, et sera remplacé, en raison des allégations de violence conjugale qui le visent depuis plusieurs semaines. Toutefois, le personnage de Bilal Bediar ne sera pas supprimé du feuilleton. Toujours selon nos informations, la production de Demain nous appartient a lancé un nouveau casting dans le but de trouver un nouveau comédien pour reprendre rapidement le rôle. Absent des intrigues du feuilleton depuis quelques semaines, le personnage marquera son retour dans les prochaines semaines, à la tête d'une nouvelle arche principale. Contacté par Téléstar, la chaîne TF1 a confirmé le retour du personnage dans une grande intrigue, niant toutefois le remplacement du comédien. Atman Khalif a reconnu les faits comme révélés par Closer le 24 décembre dernier. Atman Khalif a été poursuivi en justice par sa compagne, pour violence conjugale. Face aux policiers, le comédien de 50 ans a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Au moment des faits, Atman Khalif était en état d'ébriété, avec 0,97 mg d'alcool dans le sang. Dans sa plainte, la victime faisait état d'une précédente altercation survenue dans un bar, et datée de juillet 2018. Love.